heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du 3401 Rancard sur Ndiangui TV. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel. Lorsque vous verrez son visage, effectivement, vous comprendrez pourquoi j'ai utilisé le terme exceptionnel. On se retrouve juste après cette petite interruption. La renaissance de l'art musical Bamileke. Hochelaga, le nouvel album de Djepola. Hochelaga, un album en vente sur iTunes, sur internet www.djepola.com, mais aussi chez les bons disquaires. Hochelaga, un album à consommer sans modération. Un album indispensable. Voilà, j'ai dit exceptionnel parce que vous découvrez qui est notre invité aujourd'hui. Excellence, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de la ville de Douala et président de la conférence épiscopale du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Excellence, nous nous retrouvons dans le cadre de votre visite à Montréal au Canada, où vous êtes venu à l'invitation de la mission Notre-Dame d'Afrique, qui rassemble la communauté africaine catholique ici au Canada. Nous sommes à la fin pratiquement de votre visite. Quel est le bilan que vous, principal concerné, en fait? Il ne me revient pas de dresser le bilan, c'est qu'ils m'ont invité... tenteront de dresser ce bilan. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir été en relation avec cette communauté, avec tous les fidèles de cette paroisse. Et j'ai été très heureux, n'est-ce pas, de les rencontrer d'abord et de célébrer l'Eucharistie. Et j'ai été même, n'est-ce pas, allé rencontrer dans leur famille, j'étais avec eux dans leur famille, et au niveau de communauté ecclésiale vivante. Et ils m'ont écouté, et aussi moi, je les ai écoutés. Et ce qui est important, c'est que, voilà, ce qu'ils font ici, c'est de ce qu'ils ils ont choisi, de se mettre ensemble et de vivre une communauté chrétienne vivante à l'exemple, n'est-ce pas, des premières communautés chrétiennes. Vous avez utilisé dans votre réponse deux axes. Je voudrais qu'on s'y arrête un tout petit peu. Vous avez dit, ils vous ont écouté et vous les avez écoutés. C'est eux qui vous ont invité. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Qu'est-ce qu'ils attendaient de vous? Mais ce qu'ils attendaient de moi, moi qui suis pasteur, c'est de venir célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, célébrer notre foi. C'est ce que, n'est-ce pas, un pasteur apporte, n'est-ce pas, à ses fidèles. Être avec eux, célébrer la foi que nous, n'est-ce pas, que ce qui est un don de Dieu, c'est cela. C'est cela que je leur ai. Et ce que j'ai tenté, n'est-ce pas, de faire avec eux, ou ce que j'ai réellement fait avec eux, célébrer notre foi ensemble. Et aussi, vous voyez, quand ils, dans une communauté, d'une manière ou d'une autre, mais il y a des problèmes, comment, n'est-ce pas, comment s'organiser, comment se rencontrer, comment être ensemble, parce qu'ils sont ici un problème particulier, nous avons insisté sur cela. D'ailleurs, un point important, je leur ai dit, voilà, ce qui est important ici, essayez d'abord, n'est-ce pas, de vous attacher à Jésus-Christ à travers sa parole. Voilà pourquoi j'ai donné une catéchèse sur la lecture divine. C'est-à-dire une manière de lire la parole de Dieu qui vous amène, n'est-ce pas, à vous interroger devant la parole de Dieu. Et voilà, c'est ce point important. Donc, ils sont ici, ils doivent donc se réunir autour de la parole de Dieu.
Et c'est se réunir autour de la parole de Dieu, c'est-à-dire se réunir autour de Jésus-Christ. Mais non seulement cela, ils sont ici, ils sont des témoins de Jésus-Christ, c'est-à-dire des missionnaires. C'est-à-dire tout ce qui arrive d'ailleurs du pays ou d'ailleurs doivent trouver auprès d'eux un accueil. Ils ne devraient pas, n'est-ce pas, quand un chrétien vient ici, qui arrive ici au Canada, mais il doit se dire, OK, mais j'ai là-bas une communauté qui peut m'accueillir. Et c'est un rôle très important qu'ils doivent jouer. À travers ce que vous dites, effectivement, on ne peut ici ne pas, moi qui vis ici, ne pas saluer le travail que fait l'abbé Jean Chrysostome Zolochi, qui est ici avec nous. Mais quand on discute avec des membres de cette communauté, il ressort quelque chose de manière permanente, c'est par moment, je dis bien par moment, la difficulté de vivre sa foi chrétienne, catholique, dans un environnement comme le Canada, qui est une société avec peut-être par moment des valeurs différentes que celles qui sont les nôtres en Afrique. Est-ce que c'est un ressenti que vous avez eu ou est-ce que certains l'ont manifesté auprès de vous? Non, mais personne ne m'a demandé, même j'ai eu des rencontres avec eux, mais personne ne m'a posé la question pour dire, OK, ici, vraiment, nous n'arrivons pas à vivre notre foi parce que nous sommes hors de notre pays. Mais je crois qu'il y a un point important que le chrétien doit comprendre. Là, ce que dans sa vie, il doit chercher à entrer en relation avec Jésus-Christ. Il doit rencontrer Jésus-Christ, se laisser transformer par Jésus-Christ. Ce qui revient à dire que vous soyez ici au Canada, que vous soyez, n'est-ce pas, au Cameroun ou dans un autre lieu, le fait de vivre cette communion totale avec Jésus-Christ n'a rien à faire avec le lieu où on se trouve. Votre message passe. Aujourd'hui, je vais un peu plus loin, on voit donc, vous avez fait ce voyage, vous êtes venu ici. On parle de plus en plus, on le voit de plus en plus, d'Africains dans les diocèses, que ce soit en termes de séminaires ou qui deviennent aujourd'hui des prêtres, des pasteurs. On va dire quoi? Est-ce que c'est l'évangélisation dans le sens inverse, parce qu'on sait aujourd'hui, on a une boutade ici au Québec qui dit que les Québécois ont presque aujourd'hui rejeté le Christ. Non, mais à ce niveau-là, je crois que tous ceux qui sont ici, les Africains qui sont ici, avec la force de leur foi, ils devraient être de vrais témoins. C'est-à-dire être témoins dans le sens que les Canadiens devraient voir à travers eux des hommes qui croient et qui sont heureux. Je crois que c'est ça, c'est le point, c'est ce qu'ils peuvent déjà apporter. Mais maintenant, en ce qui regarde, n'est-ce pas, de manière plus formelle, de prêtres, qui peuvent venir, n'est-ce pas, travailler ici. Dans l'exhortation post-synodale à Frichemounous, le dernier synode des évêques, le document, le pape Benoît XVI insiste sur ce point-là, qu'aujourd'hui, les églises d'ici, que ce soit ici au Canada ou que ce soit ailleurs, les églises du Nord qui ont des problèmes au niveau, n'est-ce pas, de prêtres, manque de prêtres, qu'ils s'adressent de manière libre, dans un esprit, n'est-ce pas, dans un esprit fraternel, qu'ils s'adressent aux églises qui ont, aux églises d'Afrique, à d'autres églises qui ont, n'est-ce pas, qui ont des prêtres, mais, n'est-ce pas, d'établir cette collaboration, cette coopération-là missionnaire entre les églises. Que ça doit être quelque chose de bien étudié, que ceux qui doivent venir soient formés pour pouvoir venir ici
proclamer, annoncer Jésus-Christ. Cela est très important et ça devrait normalement se faire. Et on voit que cela est en train de se faire. Parmi ceux qui nous regardent, je parie qu'il y en a par exemple qui ne connaissent pas la différence. Je voudrais que vous nous aidiez là-dessus. Vous êtes archevêque de la ville de Douala. Oui. Vous êtes le président de la conférence épiscopale. Ça veut dire quoi? Vous êtes le chef de l'Église catholique au Cameroun? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, effectivement, je suis le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Cela ne veut pas dire que je suis le chef des évêques. Vous savez, dans l'Église, l'Église universelle, chaque Église particulière qui est un diocèse est autonome. Mais nous formons au niveau de l'Église du Cameroun, mais il y a des structures mises en place. Nous formons ce qu'on appelle une conférence. Et cela sont des décisions, n'est-ce pas, de l'organisation qui émane du Concile Vatican II, les conférences. Alors, nous, avec ces conférences-là, on met les évêques se mettent d'accord, choisissent l'un d'eux qui joue un rôle de coordination, un rôle de relation, n'est-ce pas, des relations à établir entre, d'abord entre l'État, entre le Saint-Siège, entre toutes les institutions. Donc il faut une structure, mais le président avec une équipe joue ce rôle-là. Très généralement, justement, les déclarations ou les décisions finales de la conférence épiscopale sont toujours très attendues parce qu'en tant qu'autorité, plus haute autorité morale, vous portez un regard, je ne dirais pas un jugement, sur l'état de la société. Donc c'est dans ce sens que je disais, est-ce que vous êtes le chef des évêques? Donc ça nous amène un peu à voir la situation au Cameroun où je sais que très souvent vous avez porté des avis sur la situation. Aujourd'hui au Cameroun, il y a véritablement une situation d'insécurité dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Quel est votre regard sur cette situation? Je voudrais bien préciser les choses, parce que justement, c'est ça qu'il y a beaucoup de choses que les chrétiens ne comprennent pas. Un évêque, c'est un pasteur, sa mission est d'annoncer l'Évangile. Mais l'Évangile est un message d'amour, un message de paix, un message de vérité. Mais l'évêque annonce, n'est-ce pas, l'Évangile avec toute sa force. Mais souvent, on a l'impression que, l'évêque vise tel. Si, effectivement, selon l'Évangile, je n'ai rien à cacher. S'il y a un problème, non, c'est pas s'il y a un problème de mensonge, s'il y a un problème de vérité qu'il faut dire, moi, en tant qu'évêque, je dois le dire. Mais il y a d'abord, justement, cela ne plaît pas à tout le monde. Je me réfère ici à l'apôtre Saint-Paul, n'est-ce pas, qui disait que, voilà, il n'est pas là pour faire plaisir aux hommes. Mais c'est-à-dire que l'évêque, le pasteur, doit enseigner l'Évangile, proclamer l'Évangile avec toute la vérité. Si vous connaissez un peu la parole de Dieu, mais Jean, c'est le précurseur, celui qui a préparé la venue de Jésus, qui est venu avant lui, Jean-Baptiste, il savait ce qu'il disait, connaissant, mesurant le danger auquel il s'exposait. Il a dû dire à Hérode qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère, parce que Hérode avait pris, n'est-ce pas, la femme de son frère. Mais il a dit, mais ça lui a coûté la vie. C'est lui à côté là. Mais c'est tout à fait normal. C'est justement, quand il y a le mal, il faut le dénoncer. Mais les gens immédiatement disent, OK, s'il le dit, c'est parce qu'il est contre ceci. Non, c'est la mission. C'est la mission prophétique que l'évêque a reçue, le pasteur. Et c'est cela
et qu'il doit annoncer. Maintenant, venons-en, n'est-ce pas, à la, au problème de l'insécurité. Ok, tant, vous, ben, vous le savez tous, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être vous, vous êtes même plus renseignés que nous. La, n'est-ce pas, les actions ou tout ce que mène, n'est-ce pas, le groupe Boko Haram dans le Nord, qui a commencé d'abord par les enlèvements depuis l'année dernière, et des enlèvements qui se sont poursuivis cette année, mais ces derniers temps, disons il y a quelques, depuis un, deux mois, ce sont les attaques, n'est-ce pas, des attaques qui, sur les populations, surtout de l'extrême nord, ceux qui sont long de la frontière. Donc ça, c'est le lieu de dire que, n'est-ce pas, effectivement, la situation est préoccupante. Il y a des populations qui sont déplacées. Et non seulement ça, le résultat de tout cela, parce que c'est dans la, un peu, n'est-ce pas, je dirais, dans la sous-région, il y a ce problème vraiment d'insécurité. Où, la RCA, de l'autre côté, tous ceux qui, n'est-ce pas, tous les groupes qui se sont succédés en RCA, les Seleka, après les anti-Seleka, et puis là, il y a eu, n'est-ce pas, beaucoup de Centrafricains qui sont rendus au Cameroun. Oui, tout à fait. Oui, comme des réfugiés. Jusqu'à présent, ils sont là, au Cameroun. Du côté du Nigeria, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de réfugiés, beaucoup de Nigériens qui se sont réfugiés au Cameroun. Vous voyez? Donc, il faut donc ici essayer, donc, n'est-ce pas, de gérer tout cela. Et jusqu'à présent, le groupe Boko Haram continue toujours, n'est-ce pas, d'attaquer. Vous voyez? Donc, c'est cette situation-là que nous, que le Cameroun, ou de cette situation qui est là, qui se trouve, cette situation, n'est-ce pas, se trouve un peu dans la sous-région. Monseigneur, est-ce que vous y voyez, comme certains le prétendent, une lutte musulman-chrétien, une lutte de religion? Je ne crois pas. Ce sont plutôt des problèmes d'ordre politique. Mais des problèmes d'ordre politique. Mais il y a des forces qui veulent, n'est-ce pas, qui veulent occuper, n'est-ce pas, occuper des territoires. Mais je crois que c'est sur le même, n'est-ce pas, mais c'est Boko Haram. Mais si, moi je ne sais pas, je n'ai jamais posé la question à leur chef pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils veulent. Mais dans cette manière d'agir, mais s'il n'est pas bloqué, mais ça veut dire qu'il va occuper le territoire. Mais c'est sûr. Mais maintenant, quand il avance, il y a des gens qui l'aident. Quels sont ceux qui l'aident? Ça, peut-être que chacun de nous, n'est-ce pas, cherche, n'est-ce pas, et se donne lui-même la réponse. Donc, en avançant, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'aident, des gens qui sont derrière lui. Mais je dirais plutôt que c'est un problème d'ordre politique. Ce n'est pas d'abord un problème d'ordre religieux. Et ce même problème, je mets ça en parallèle avec la RCA, parce qu'en RCA, on a dit toujours, OK, mais ce sont des problèmes d'ordre religieux. Non, loin de là. Et c'est la même chose avec Boko Haram. Ce sont des problèmes plutôt d'ordre politique, des gens mais qui cherchent des intérêts, des intérêts quelque part. C'est plutôt ça. Monseigneur, je me dois de respecter ce qu'on s'est dit, donc on va arrêter là. Je vous demanderai peut-être pour ceux qui nous regardent de leur adresser un dernier mot. Bah, le dernier mot, bah, ce qu'ils vont, c'est que nous puissions tous, n'est-ce pas, œuvrer pour la paix dans le monde d'aujourd'hui. Et cette paix, c'est d'abord œuvrer pour la paix, je parle de la paix véritable. Et cette paix, d'abord, se traduit par l'amour que les hommes, n'est-ce pas, pourront, que chacun de nous devra avoir pour son projet. C'est plutôt ça, construire notre, selon la vision de Dieu, notre devoir, tous, qu'on soit chrétien ou homme de bonne volonté, notre devoir, c'est de construire un monde d'amour et de paix. Un monde où règne la justice parce que la paix
ne peut pas exister sans justice. Voilà. Merci encore, Monseigneur. Merci, Excellence, d'avoir accepté notre invitation à Ndiangui TV. On espère, on croise les doigts, on espère, on va prier fort pour qu'on ait encore l'occasion de vous rencontrer ici à Montréal. Merci bien, merci. Voilà, merci. Je suis Cyril Ekwala, aux manettes de l'émission Honoré Doudou Noumabeu. On se retrouve pour la prochaine émission.